Et salut tout le monde. Et oui, on commence cette vidéo de façon un peu particulière parce que il fallait que je vous montre un truc avant de commencer. Quelque chose d'exceptionnel et d'incroyable. Vous allez voir. Alors c'est assez exceptionnel, ça se passe ici, regardez. Tac. J'avance un peu. Un ciel bleu. Magnifique ciel bleu. Chose qui arrive une fois par an en hiver dans cette région. Le Grand Nord, l'île de France. Mais toute cette lumière qui fait un magnifique contre-jour. Je ne peux pas en profiter. Non, je suis vidéaste. Ah, le contre-jour encore pire. Conclusion de tout ça. On fait ça. Ça. Et ça. Et là, on est bien. C'était... pour vous montrer à quel point nous aussi, les vidéastes français, nous travaillons dans des conditions déplorables. C'est terrible. Terrible. Du coup, vous vouliez... Du coup, vous vouliez la suite? La voilà. C'est bon, on est là. On a repris exactement au même endroit que la dernière fois. Et l'idée, en fait, c'est déjà de mettre les ATH. Oh, le chat, calmez-vous. Et on a des quêtes à faire, évidemment. On a tout à faire. On a à grandir. On en a où? On en est où? What? Oh, j'ai tarpin de marques, ça. Incroyable. Ouais, donc il y a pas mal de quêtes à faire. Moi, j'aimerais bien avoir mon skin dont je vous ai parlé la dernière fois. Merci à tous de vous être abonnés dans la dernière vidéo. Vous avez été quand même assez nombreux. À peu près comme ça. Ça fait grave plaisir, merci à vous. Ceux qui ne le sont pas, abonnez-vous aussi. Lâchez un petit pouce bleu, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et c'est parti. Voilà, on commence par la pub. Il n'y aura pas de pub intempestive hein, cette fois-ci. On commence par la pub et on y va. On va faire du gameplay. Du gameplay par la cadence. Voilà, donc c'est parti. Let's go. Bon, du coup, on en est où? Par contre, j'ai pas regardé. Capacité. Adolescent, je suis bientôt adulte. J'ai aucune idée du temps que ça va prendre. J'espère que ça va pas être trop long en vrai. J'aimerais bien commencer à faire un petit peu de gameplay quoi. Gameplay RP, chasse en embuscade, etc, etc. Le serveur est plein, full max rempli. Donc il peut y avoir du monde, c'est ça l'idée. Et puis voilà. Et puis voilà. Voilà. C'est tout. Un poisson, allez go. Bef. Voilà. J'espère que ça sera pas la seule action de la vidéo. Mais le monteur doit savoir, lui. Monteur, franchement, incroyable. Vraiment comme ça. Il va falloir la regarder entière, jusqu'au bout, sans jamais s'arrêter. Tout entière, toute la vidéo, et vous allez pas être déçu. C'est moi qui vous le dis. C'est moi qui vous le dis. Je vous le dis que c'est moi qui vous le dis. Oui, 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 je vous le dis que c'est moi qui vous le dis. Crise, crise absolue. C'est la crise, il y a de l'action du coup. Il y a un truc là. Il y a un bougre chez moi. Ça c'est un Dino. Non. Vas-y, barre-toi. Casse-toi, il veut quoi lui? Ouais, l'endroit n'est pas safe. Il y a un trou là. On se barre. Ah. Attendez, mais taisez-vous tous. Ah, trop bien. Comment ça? On me parle, j'ai trouvé un groupe. J'ai trouvé un groupe, mais ils sont pas du tout là. Nathan et Ethan, what the fuck? Je sais pas si je pourrais le tuer. Si, si, mais attendez les gars, je peux pas vous répondre. Je suis en crise. Je peux essayer, c'était un Dino, il était pas du tout full. Après c'est quand même... c'est quand même un peu dangereux. Il me perturbe les deux bougres à parler là. Nathan et Ethan, je suis en plein stress. Taisez-vous. Très avant. Taisez-vous. J'ai envie d'aller le fumer lui. Bon les gars, on va essayer hein. Du coup c'est pas sûr à 100% que je devienne adulte avec ce sarco hein, je vous le dis. Parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais on est en RP. Si on meurt, on meurt. Terminaris, finitocci comme on dit. Un marseillais, wesh. Mais on va quand même essayer de le faire. Attends, faut que je... Ouais. Ça c'est mon attaque push. Je suis adolescent, c'est tout. L'autre il était quand même beaucoup plus gros que moi. Mais il était pas du tout full. Il était pas du tout full adulte. Et l'eau est vachement claire en fait. Ah, il s'est fait croquer. Il s'est fait croquer le bougre. Il est abîmé, il est abîmé. On va pouvoir aller le fracasser, je pense. Hein. Oh, il y a un lézard.
Faut absolument pas. Je sais plus s'il a une attaque charge. Le Deino, je crois qu'il en a une. Hein. Il y a un lézard là qui m'aide. Super le Varan. Par contre, je crois qu'on peut pas attaquer à deux. Ah, il est mort, il est mort. Bon, bah écoutez. Très bien. Merci le Varan. Vas-y, je me casse. Yo les gros. Ah, il y a mon pote ici. Ils sont là en fait. Ils sont où? Il est là. C'est quoi ça? Yo! Bon bah ils sont là les refs. Il a l'air un peu entamé lui hein. Il y a quoi là? C'est qui lui? Bon c'est un groupe un peu bizarre mais c'est pas grave. Bon on a survécu à la première phase critique. Je vais me poser là et je vais leur parler du coup. Bon on va leur faire la mission hein. Collecter des algues, ça je sais faire ça hein. Allez c'est parti. Collecter des algues. Où sont-ce? Elles sont là. Ok, je collecte. Il n'y en a qu'une. C'est ça. Ok. Les autres. Il n'y en a qu'une à chaque fois? Ah oui, mais oui, il n'y en a qu'une, je suis bête. Il y a des trucs qui traînent ici, les gars. Vous pouvez pas m'entendre. Mais je vous le dis. On est fan. Ah bah merci. Il parle derrière moi. Hein. Au passage, si vous demandez pourquoi je suis devant le chat, on sait jamais. On sait jamais ce qu'ils peuvent dire, les gens. D'un coup, ça peut parler de trucs interdits, quoi. Et de toute façon, j'ai aucun autre endroit où me mettre. Allez, nous, on fait des quêtes incroyables, là. Toujours pareil. Toujours pareil, les super quêtes. J'ai entendu le lézard. Hein. Le lézard, il a soif de sang, c'est sûr. Et on arrive à la fin. Dernière algue. Est-ce qu'on va gagner un peu de croissance ou pas? Je sais même pas. Bah, je crois pas qu'on gagne de croissance en faisant les quêtes, en fait. Hein. J'ai pas l'impression. Hein. J'ai gagné des thunes? Que non, j'ai pas gagné de globe. Ok. Bon, on va collecter des champignons de Paris ou des... Les caps champignons. Ça m'a l'air bien n'importe quoi. Les caps champignons, ça fait 2 heures que je traîne. J'en ai pas trouvé. Peut-être là. Je sais pas. Ouais. Mais il y a des trucs qui traînent ici, en fait. Ça me terrifie. C'est quoi, ça? Les... Ah bah si, il y en a. My bad. Allez. Encore une mission. Faite pour le Sarcosuchus. Téméraire. Et ambitieux. Le Sarcosuchus. Récoltera tous les champignons de lait. Voilà ça. Prends ça dans ta bouche, le champignon de lait. Et maintenant, viens au tour des champignons de Paris de succomber. What? Il y a eu quoi? Il y a eu quoi, wesh? Allez, gros. Calmez-vous, hein. Moi, je suis en mission. Envoyé par Dieu. En personne pour récolter les champignons de Paris. Trouvez champignons, vous êtes foutus. Je parle dans des trucs, hein, mais franchement. Vous pouvez s'occuper. Hein. Non, en vrai de vrai, l'émission, hein, voilà, je vais pas le redire à chaque fois que je joue à ce jeu, hein, mais bon, je rappelle que je suis un crocodile préhistorique qui faisait à peu près 100 mètres de long pour 200 tonnes. Un moment science avec le professeur Dogmar. Et bienvenue dans cette nouvelle rubrique avec le professeur Togmar. Alors là, comme vous avez vu, nous avons affaire à une contre-vérité. Le Sarcosuchus, à l'époque, ne pesait pas 200 tonnes et ne mesurait pas 100 mètres de long. Non, non, non. Dans la réalité, ce magnifique crocodilien, l'un des plus grands de son espèce tout de même, est apparu il y a 112 millions d'années au Niger et au Brésil durant le Crétacé supérieur. Pour une longueur d'environ 12 mètres pour les plus grands spécimens, il pesait alors 8 tonnes. Ce qui nous fait tout de même la bagatelle de 192 tonnes de moins que ce qui est annoncé dans cette vidéo propagande et fake news. Qui mangeait des T-Rex au petit déjeuner et au dîner des brachiosaures ou des argentinosaures. Donc bon, manger des champignons, collecter des champignons de Paris, je vois pas trop l'idée. Hein. Je ne suis pas fou, vous savez. Non. What? À l'aide! Non! Barre-toi! A l'aide! A l'aide! Non! Lui par contre il se régale, il a fait mon truc, il a fait ce que je voulais faire. Il était dans son lac, c'était son lac et il tuait tous les gens qui venaient dedans. Moi en revanche, bah là je suis de nouveau juvénile, si j'y rejoue. Évidemment, comme j'ai dit on est en RP.
Si on meurt, on meurt. Donc c'est fini. Par combien de temps a duré cette vidéo? Écoutez, j'espère qu'elle vous a plu quand même, même si elle a été courte. Et peut-être qu'on y reviendra plus tard, si vous demandez une suite. Bah, c'est pas sûr. Tchou.